Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au nouveau support physique de deux albums de Mylène Farmer. Il s'agit des petits coffrets de CD Greenbox qui sont proposés à la vente depuis quelques jours. Donc Mylène Farmer avait sorti il y a quelque temps de cela des coffrets Greenbox de ses albums de la période Inamoramento à la période Interstellaire. Ces petits coffrets Greenbox proposent déjà une nouvelle version physique de l'album. Un très joli petit coffret avec en plus à l'intérieur les versions instrumentales. Donc, ces deux nouveaux CD viennent compléter la collection désormais de Inamoramento jusqu'à L'Emprise. Nous avons les versions instrumentales et les albums studio de Mylène Farmer dans ces jolies petites boxes cartonnées, très rigides, très jolies. Donc, voici à l'intérieur le livret qui est ici. Ensuite, donc voici le premier CD dans une sous-pochette papier un peu glacée, rigide, qui est très jolie, avec une photo de chaque côté et le CD à l'intérieur. Et puis donc le deuxième CD, version instrumentale, avec une photo d'un côté, une photo de l'autre. Et le CD en question, avec écrit Désobéissance, version instrumental. Voici donc pour la box, la Green Box qui est à 10,99 € sur le site de la Fnac. Étant donné que l'album Désobéissance n'est plus en cours d'exploitation, donc c'est considéré comme un album passé, donc le prix est très attractif. Par contre, pour l'album en cours qui est en cours d'exploitation, cette dernière Greenbox, l'album L'Emprise, est plus chère. Elle est à 17,99 € sur le site de la Fnac. Toujours avec la même présentation, l'aspect hobby ici, avec les titres indiqués. Toujours cette superbe photo sur la pochette. Voici l'arrière, avec, ils ont rajouté ici une suite de l'image comme s'il s'agissait d'un hobby qui se repliait, avec ici les titres plus les versions instrumentales en CD2. Donc voici la boîte à l'intérieur. Donc là c'est un livret 16 pages. Ici il s'agit d'un livret 24 pages. Donc voilà, très joli. Très joli support avec. Alors, ce que je trouve très amusant, c'est qu'en fait, ils ont repris le principe du hobby, c'est-à-dire que sur les sous-pochettes papier de l'album, ils ont rajouté une petite bande rouge pour faire un rappel au hobby où on peut lire le titre Mylène Farmer, L'Emprise. Et donc, ici, il y a uniquement une photo d'un côté avec la photo de l'album. Donc L'Emprise, Mylène Farmer, voilà. Et puis cette photo très jolie. Alors, je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Voilà. Avec les versions instrumentales sur le deuxième CD. Alors cette fois-ci, version instrumentale n'est pas écrite là. Ça doit être écrit là. Voilà, c'est ça. Mylène Farmer, L'Emprise. CD2, je crois. Version instrumentale, donc pareil, ça reprend une petite bande rouge là. Un petit rappel, les designs sont vraiment très jolis. Voici le CD, L'Emprise, version instrumentale. Voici pour les deux CD. Donc, si vous voulez voir la première vidéo consacrée au Greenbox allant de Inamoramento Interstellaire, je vais mettre là ici un lien. Et puis, je vous parlais également récemment des petits bracelets satin. Voilà, j'ai mis celui de désobéissance avec celui de prière. C'est très joli, je les trouve très sympas.
Et donc, voilà, pareil, je vous mettrai en lien la vidéo sur les petits bracelets satin. Je les mettrai voilà, je les mettrai par ici. Je vous souhaite un très bon été, une bonne journée ou une bonne nuit et vive la musique. Salut!